Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro des entrepreneurs du Mansa. Aujourd'hui, l'invité que nous recevons est M. Abba Touré, président de Business Africa. M. Abba Touré. Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus vos structures Business Africa? Effectivement, Business Africa est une structure associative créée il y a maintenant une dizaine d'années et dont l'objectif est de promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique. Nous avons quelques activités qui soutiennent ces objectifs-là. Notamment, nous faisons maintenant presque 10 ans le Forum des entreprises au Mali. Nous éditons également un magazine économique Business Africa qui est distribué dans le milieu économique ouest-africain. Et donc, très récemment, nous avons organisé des sessions de formation sur l'entrepreneuriat. Et le 19, nous avons le Forum de l'entrepreneur malien à Mali, FEMA, que nous organisons à l'endroit des porteurs de projets d'entreprise de la diaspora malienne qui réside en France. D'accord. Donc, vous avez le Forum des entrepreneurs maliens qui a duré 15 septembre. Avant ça, vous avez parlé du Forum des entreprises à Bamako. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, le Forum de l'entreprise que nous organisons à Bamako depuis une dizaine d'années est un événement majeur du monde économique. Et il réunit en général dans un hôtel de la capitale malienne, dans l'Euradi Forum depuis, on va dire, les trois dernières éditions. Il réunit tous les acteurs économiques de la scène malienne, mais aussi les pouvoirs publics. Et aussi les administrations économiques sont la douane, les impôts, etc. Et puis nous discutons des problématiques qui intéressent le monde économique. À titre d'information, le dernier forum portait sur la fiscalité. Donc c'est une thématique transversale et qui nous a permis d'aborder la fiscalité dans tous les angles. Et les entreprises sont venues donc exposer leurs appréhensions et aussi des suggestions à l'administration fiscale, notamment la douane et les impôts, qui était présente à l'événement. Alors, le 19 septembre, vous avez organisé le forum pour les entrepreneurs maliens en France. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes venu l'idée de créer ce forum? Qu'est-ce qui a créé le besoin d'organiser une telle initiative? Bien, le forum de l'entrepreneur malien à Paris, FEMA, est venu d'un constat simple. Hein. Personnellement, je voyage beaucoup entre la France et le Mali. Et je me suis rendu compte que beaucoup de porteurs de projets d'entreprises issues de la diaspora malienne n'avaient pas des informations fiables sur comment créer une entreprise, quels sont les dispositifs qui existent pour développer une entreprise, etc. etc. Donc c'était le manque d'informations. C'est le manque d'informations. Je crois qu'il y a un besoin. Il y a un besoin fort de la communauté malienne résidant en France de s'investir dans des projets d'entreprise. Et c'est depuis combien de temps que vous avez lancé ce forum à FEMA? Non, la FEMA, c'est la première édition, qui commence le 19 septembre à Paris. Et l'idée, c'est de réunir sur un espace tous les porteurs de projets d'entreprise de Mali, tous qui ont des idées de création d'entreprise et les structures de soutien au financement, à la formation, mais aussi tout simplement à l'assistance, au développement de l'entreprise. Toutes ces structures viendront présenter leur mission. Donc il y aura des incubateurs, il y aura des établissements financiers, il y aura des ONG aussi de soutien à l'entrepreneuriat. D'ailleurs, ces structures sont la plupart maliennes, mais aussi il y a beaucoup de structures françaises qui soutiennent l'entrepreneuriat au Mali, qui seront là pour présenter leurs différents services.
Et je pense que c'est un événement qui répond à un besoin, à un enjeu capital. Et tout à l'heure, vous avez dit qu'il manquait d'informations, mais lorsqu'on va sur le site du Mali pour justement créer une entreprise, on retrouve quelquefois ces informations. Alors, c'est quelle information qui va manquer exactement? C'est vrai que, bon, déjà, il n'y a pas une. On va dire qu'on n'a pas une directoire de site qui traite de l'information économique malienne, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais je pense que le contact physique des plus hauts responsables de ces structures-là, là je remercie ceux qui ont accepté de venir, rien ne vaut ce contact. Que là, on peut poser des questions, on peut échanger, on peut discuter avec eux. Et je crois que les porteurs de projet, c'est vraiment ce qu'ils souhaitent. C'est d'abord les connaître les structures. Il y a le FAFPA, il y a la formation, il y a l'API pour ce qui concerne la promotion des investissements. Il y a la PEJ, qui est l'agence de promotion de l'emploi des jeunes. Mais il y a aussi des projets très importants pour les jeunes entrepreneurs. Je crois que l'échange avec ces structures-là sera vraiment bénéfique en fait. Et est-ce que c'est aussi ouvert à d'autres, par exemple des entreprises qui sont ici en France, mais qui voudraient faire du business tout simplement au Mali et qui voudraient se renseigner? Mais bien sûr, tout à fait, la question est intéressante. Oui, le forum est ouvert à, évidemment aux Maliens qui vivent ici, aux Maliens, mais aussi aux Français qui souhaitent créer des entreprises au Mali, puisque je vous rappelle que les thématiques abordées vont de l'analyse, disons, du climat des investissements et de l'environnement juridique des entreprises au Mali, au secteur porteur, parce qu'il y a des filières qui sont très porteuses, mais aussi aux différentes, comme je dis, structures qui viennent accompagner donc oui, le forum est ouvert à tous ceux qui s'intéressent à la création d'entreprises au Mali, à tous ceux qui ont des projets, on va dire, mûrs ou pas encore, parce que l'idée, certains peuvent avoir des idées de projets de création, d'autres ont des projets déjà mûris et qui souhaitent mettre en œuvre presque immédiatement. Le forum est ouvert à tous ceux-ci et j'invite donc toute la communauté malienne, mais aussi les Français qui souhaitent entreprendre le Mali de faire le déplacement à la Bourse du Travail le 19 septembre 2015. Et pour vous, quelles sont les opportunités que les porteurs de projets d'ici ou les Français pourront avoir en venant à vos forums et surtout en allant au Mali en créant leur entreprise? Oui, bon, le Mali, comme vous le savez, a sorti de crise. Fort heureusement, les secteurs économiques qui recèlent des potentialités d'investissement sont nombreux. Comme vous le savez, le Mali est un pays agricole, donc il y a beaucoup de niches d'investissement dans le secteur agricole, si bien l'élevage, la transformation des produits, le secteur laitier, etc. Mais il y a aussi d'autres secteurs. Bon, il y a le secteur minier, mais évidemment, c'est dédié à, on va dire, à des investissements beaucoup plus importants, à des entrepreneurs qui ont une certaine surface financière. Mais il y a d'autres secteurs qui sont tout aussi intéressants à explorer. Et pour vous, quel serait, selon vous, ce qu'il faudrait améliorer pour que le climat des affaires maliens devienne meilleur? Bon, c'est de tout ça dont on va parler le 19, puisque, comme je vous l'ai dit, l'Agence de promotion des investissements nous a fait l'honneur d'accepter d'être présent. Donc, effectivement, bon, il y a certainement certains dispositifs qu'il faut revoir. Mais ça commence déjà par l'information. Je pense que la communication autour des secteurs porteurs, autour des opportunités qui existent,
est déjà un grand effort qu'il faut mener de manière, je dirais, permanente. Et l'accomplissement de cette mission que s'inscrit le forum du 19 septembre. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut s'inscrire ou avoir plus d'informations sur le forum qui aura lieu le 19 septembre? Alors, on peut aller sur le site de Business Africa, business-africa.fr, où on peut trouver des informations sur le forum. D'accord. Je vous remercie. Merci, monsieur Abassouri, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je remercie les web spectateurs d'avoir suivi ce nouveau numéro des Entrepreneurs du Mansa. Et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro.